Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un déballage course. Je reviens d'Allemagne et je vais vous faire un petit déballage de course vite fait. Alors, pour commencer, j'ai pris mon thé vert, donc j'ai déjà bu hein, dans la voiture. Voilà, mon petit thé vert. Donc celui-là, c'est pas pur, c'est au litchi. Voilà, donc c'est super bon, moi j'adore ce thé vert. C'est composé de 92% de thé vert. Donc franchement c'est génial, il y a 1% de sucre. Et après il y a un petit peu de litchi en arôme. Donc voilà, 1,5 litre. Je suis très contente de cette boisson parce que ça me fait tout le temps perdre. Et j'en buvais 2 litres par jour, mais j'ai arrêté parce que... En fait, avec mon manque de fer, je peux pas boire du thé vert tout le temps. Donc en fait, ben, je prends une bouteille des fois de temps en temps, mais j'adore ça. Et puis je le prends dilué avec quelque chose, donc litchi ou maracuja, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ouais, le thé vert pur, mais pourtant c'est délicieux. Ensuite, j'ai trouvé des flocons d'avoine, donc saveur pomme. Donc là je vais faire une petite recette en vidéo pour vous aussi. Il y avait aussi saveur fruits rouges, mais j'ai pris pomme. Par contre j'ai plus les prix hein. Ensuite je me suis pris au rayon congelé des mûres congelées. Voilà, parce que c'était vraiment pas cher, c'est pas cher en Allemagne. Ensuite j'ai pris cette nourriture là, c'est un genre de chou farci. Comme ça, avec une farce à la viande et à l'oignon. Ça avait l'air super bon. Donc voilà. Je me suis pris des pommes de terre comme ça. Voilà. Farcies avec, un genre de tartare dedans. Voilà. Donc ça, je vais tout de suite mettre au congélateur après. Et j'ai pris des petits cordons bleus, je les ai ouverts pour regarder en fait, comme ça, qui sont farcis à la crème fromage et crème de champignons. Donc voilà, ça c'est très bon aussi. J'ai pris des sticks, des friandises pour mon petit chatou. Voilà. Ça je sais pas ce que ça veut dire, Meat Gelfugel. Mais bon, j'ai pris celui-là. Je sais pas, il y en avait 4 différents, mais j'ai pris celui-là. Et en nourriture, toujours un peu spécial, j'ai pris des genres de gnocchi comme ça, fourrés au fromage et lardon. Donc ça peut être super bon, ça peut être super sympa. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris encore en nourriture allemande. Donc j'ai pas goûté, j'ai juste ouvert pour regarder. Parce qu'on vous fera sûrement une petite dégustation. Voilà, donc j'ai pris des fromages comme ça en escargot, ça c'est pour les enfants. J'ai pris des fromages comme ça. Parce que ça, ils adorent les ficello, et ça je pense que ça doit être un dérivé de ficello. Voilà. On dirait un petit peu Milka, mais bon. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des yaourts pudding au chocolat. Des Kinder. J'ai déjà mangé dans la voiture. J'ai pris des Kinder Bueno. J'en avais trop envie. J'ai regardé s'il n'y avait pas la pâte à tartiner, mais il n'y avait pas la pâte à tartiner Kinder Bueno. J'ai pris la Kinder Country. Des Kinder Country. Et j'ai pris 3 petites briques de Nesquik. Voilà, et à lui. Et je me suis trouvé pour 1 euro. 1 euro. Un magnifique verre flamant rose. Il est trop joli. Donc voilà pour mon petit haul de chez. Dans l'Allemagne, parce qu'on était à Penny, EDK et Kik ou un truc comme ça, je sais plus, mais à Kik il y avait un beau maillot de bain flamant rose pour la petite, mais c'est des tailles bizarres et je savais pas du tout la taille qui correspond en fait à ma fille. C'était bizarre et elle n'était pas avec pour essayer, mais franchement il était trop magnifique. Mais bon, je pouvais pas lui prendre parce que j'avais peur de me planter de taille en fait. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai pris des Pringles au paprika.
Donc voilà, j'espère que mon haul vous aura fait plaisir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !